travail portait sur la communication publique du président Félix Tshisekedi, l'analyse du discours politique au prisme de la sémiotique politique. Il s'agit donc, il a été question d'analyser le premier discours du chef de l'État devant la nation, le discours du 13 décembre 2019. Nous sommes partis d'un constat que l'analyse du discours politique était souvent prise dans une communication politique. Et nous avons remarqué que la prise de parole du président de la République devant le Congrès, l'Assemblée nationale et les Sénats réunis en Congrès, est une communication publique. Et de cette communication publique, la méthode que nous avons utilisée est l'approche énonciative et aussi l'approche de la méthode de Bernard Lamizet qui, en réalité, parle de la sémiotique politique. Vous savez, la communication publique, c'est l'exercice du pouvoir. Et la communication politique est une communication de conquête du pouvoir. Mais dans la politique, gouverner, c'est aussi faire rêver. Et donc, nous avons ressorti toutes ces énoncés qui, en réalité, parlent du réel, qui tantôt de l'utopie, tantôt de l'imaginaire, tantôt de, du symbolique. C'est mon domaine de prédilection. Depuis ma licence, j'avais analysé les discours politiques. Et là, c'était le président honoraire Joseph Kabila qui était au pouvoir. J'avais analysé les discours politiques de Joseph Kabila en licence. Voilà pourquoi j'ai voulu, pour ma thèse, poursuivre avec ce domaine de recherche qui est les discours, l'analyse des discours politiques. C'est un domaine assez ouvert et assez récent. Je crois que nous allons en constituer une chaire, pourquoi pas.